Peuple du monde, je vous appelle au secours de la France. People of the world, I call on you to help France. Pueblo del mundo, les pido que ayuden a Francia. Popoli del mondo, vi invito ad aiutare la Francia. Народи мира, я призываю вас помочь Франции. Povos del mundo, peço que ajudem a França. Se cai no estúbito, o tachio anatani franzo taskerioni, eu me gakimas. Völker der Welt, ich fordere Sie auf, Frankreich zu helfen. Et toi, ô peuple de France, toi qui vois venir ta fin, je m'adresse à toi. J'ai adressé ma première sommation au gouvernement, à ton tour maintenant. Tu n'as pas le choix. Ne crois pas que je vienne te flatter, je ne suis pas là pour te faire du discours, je suis là, non pas pour te plaire, mais pour dire les choses en vérité. D'ici février, beaucoup de choses vont se passer. D'ici là, le nombre d'entreprises qui vont faire faillite, le nombre de pauvres gens qui se retrouveront à la rue, le nombre de gens qui verront leur santé s'écrouler du fait des mesures sanitaires, le nombre de suicidés et d'assassinés dans les hôpitaux va encore aggraver la situation à un niveau record. Il faut nettoyer cet état. La purification est un très ancien processus dans nos pays. Le nom du mois de février signifie purification. De februare, famille de Fébris, la fièvre, qui renvoie vers chauffer, brûler, en grec pouretos, qui dérive de pur, le feu. Le feu purifie tout. On fête la Chandeleur 40 jours après Noël, en février. 40 jours. C'est aussi la période nécessaire à la purification que s'imposaient les jeunes accouchés à l'écart du monde. Je ne peux pas t'imposer les choses, elles vont se faire. On ne peut pas changer de pays sans toi. C'est ton pays. Qu'est-ce que tu veux? Tu pensais que ça allait se faire sans toi? Si tu ne te libères pas comme je t'y invite, alors tu seras réduit à néant par tes adversaires. Partout, on te détruit, on te ramène à l'esclavage. Je cite un article de Caroline Galacteros, paru sur le site de l'Association de soutien de l'armée française. Elle écrit justement « Que faire ?» face à l'administration profonde du pays qui muselle les gouvernants et tient les rênes de notre politique étrangère. Contre un virus aussi malin et métastasique, il faut une thérapeutique de choc. Sortir manu militari tous ces individus d'un système qu'ils ont obstrué au point que la France est à la dérive et est la proie d'un mépris à travers le monde, insupportable à tous ceux qui croient encore en ce que nous pouvons être. Et aussi expurger de nos cœurs cet esprit de soumission que nous soufflent ces héros maléfiques au nom d'un réalisme dévoyé. Pour cela, l'impulsion doit être donnée par la tête de l'État. Fin de la citation. Expurger de nos cœurs la soumission. Sortir manu militari ces individus. Vous voyez, je ne suis pas seul à le dire. En fait, en quelques semaines, je me suis rendu compte que la France est d'accord avec moi. Artistes, militaires, fonctionnaires, artisans, agriculteurs, retraités, mamans célibataires, familles, salariés écœurés, libéraux et artisans ruinés, tous, à peu d'exceptions près, vous êtes d'accord avec ce que je propose? Bon. Est-ce que vous pensiez que nous allions faire tout ce qui vous appartient? Pour tout cela, il faut au moins une volonté populaire. La volonté populaire, aujourd'hui, ne peut s'exprimer que par le renversement du gouvernement. Non pas par les élections auxquelles plus un seul individu sensé ne peut croire, puisque tout est savamment verrouillé. Celui qui ne voit pas ça n'a rien vu de ce qui s'est passé depuis 40 ans. Y croire, c'est être naïf. Non. Par le renversement. Oui, ça demande du courage. On vous a si bien endormi avec ces élections, c'était si pratique de ne pas avoir à s'occuper de son pays. On avait délégué. Eh bien maintenant, c'est fini. Vous allez faire les lois. Vous allez diriger ce pays, que ça vous plaise ou non. Ou mourir. Vous n'avez pas le choix. Ce qui est prévu par la Constitution et qui est le fondement même des institutions, c'est le soulèvement de la volonté populaire rassemblée dans une action souveraine, à savoir le renversement. Je dis la loi. Je dis la volonté populaire. Je dis la nécessité morale, et je dis aussi la loi divine qui veut la justice. Je n'invente rien. Ce que je dis, c'est aussi ce que me disent de grands leaders de gilets jaunes. Je ne fais que rassembler tous les rayons vers un faisceau net et précis. Le renversement du pouvoir. Peuple, oui, tu as du génie, et tu as aussi des paresses. Il me faut te convoquer, te faire une sommation à toi aussi. Du génie, tu en as encore. J'écoutais hier une improvisation à l'orgue de Sophie Véronique Cochefer en 2015. Admirable, fantastique. En cette période de cauchemar, il y a encore de la lumière. Du génie, il y en a toujours eu dans ce pays. Mais il y a aussi des langueurs et des tergiversations. Beaucoup d'esprits faciles. Je n'ai pas à me plier à ton instinct de soumission, ni au plaisir que tu as de te croire juge des événements. Juger, c'est facile.
Les journalistes font ça. Mais ça ne consiste qu'à parler des autres. Je ne suis pas là pour débattre. Je ne fais pas de politique. Je viens réparer quelques pots que tu as laissés casser. À part le petit nombre qui aime la liberté, voilà 40 ans que tu votes pour tes persécuteurs. Pendant 40 ans, tu as voté pour les menteurs et les falsificateurs. Aucun scandale ne t'a fait changer d'avis. Aucune spoliation, aucun trafic de la loi électorale, aucune auto-amnistie, aucun détournement de fonds, aucun confinement, aucun vaccin obligatoire, aucun placement de tes enfants, aucune destruction d'église, aucun nouvel impôt, aucune guerre faite avec ton argent n'a changé ton vote, ne t'a détourné de tes maîtres et de ton esclavage volontaire. On a attendu que tu te réveilles. Tu as préféré mourir à petit feu dans un confort de miséreux. Je t'ai parlé des légitimes héritiers du pays. Ce sont ceux qui le méritent. Il y a un antique legs qui attend d'être relevé, mais il ne se relèvera pas sans que les hommes s'y mettent. Peuple de France, ce temps va te purifier, te voilà face à toi-même. Il faut que tu sois là. La souveraineté va te réveiller. Sais-tu pourquoi nous n'agissons pas encore? Certains me disent, mais comment, ce n'est toujours pas fait? Ce serait un peu trop facile. T'amener la liberté sans que tu l'aies méritée? Qu'en ferais-tu si tu ne t'es pas hissé au niveau moral qu'exige la souveraineté? À ce train-là, nous te libérons et après 20 ans, un autre arrive et te rejette en prison, sans que tu réagisses. Tu crois que je ne veux qu'un changement de président? Tu ne m'as pas entendu. C'est en profondeur qu'il faut changer. Ce n'est pas de la politique. Un coup d'État strictement militaire serait illégitime parce qu'il y manque le peuple, je te l'ai dit. Il faut un coup d'État populaire. La période des débats est finie. La violence d'État et la menace exigent une résistance efficace, structurée, financée, silencieuse, combative, formée. Prête à tenir, quand bien même des camarades seraient arrêtés ou abattus. Il faut se préparer mentalement à la guerre. Si l'on y est prêt, alors elle sera moins dure et plus courte. Et puisse-t-elle ne durer qu'un jour? Vous connaissez l'adage, si vis pacem, parabellum. Si vous voulez la paix, préparez la guerre. Je demande que le peuple s'assemble et se tienne prêt, au moins une part suffisante d'entre vous. Les gens en armes seront là, devant le peuple, mais le peuple doit y être quand même. Il y a déjà des braves et des justes avec nous, en grand nombre en effet. Mais bien trop d'entre vous restent dans l'attente. Vos bourreaux, croyez-le, n'attendent pas, eux. Ils ne sont pas dans l'attente. Certains ne supportent pas le plus petit bémol à leur vision d'un sauveur romantique. Ils sont prompts à critiquer, injurier, ironiser. Ils perdent le lien qui faisait un pacte social. Leur ennemi, c'est leur compatriote, en fait. Eh bien, celui qui vient te libérer n'a pas besoin de négocier, de composer avec la peur, les exigences sentimentales, la paresse, la méfiance ou la lâcheté. Je ne suis pas un politique. Je ne fais pas de campagne. J'y vais avec toi. Peuple de France, ta condamnation à mort est prononcée et tu tergiverses encore. Tu as besoin de jauger, tu as besoin de douter, pendant que les lames de ton exécution s'affûtent. Quand tu hésites et doutes, tu es encore dans la matrice. Chaque minute qui passe est perdue, y compris quand tu t'intéresses à ce que fait M. Biden et son clan qui s'apprête à déclencher la guerre aux États-Unis. Ne te laisse pas détourner de ce que tu dois faire pour ton pays. S'apitoyer sur son sort, c'est s'empêcher d'agir librement. Ne te raconte pas ta propre histoire qui t'enferme. Fais-la. Accomplis ton devoir et ton destin. Transformer tout en raisonnement détruit ta capacité à agir. On se console avec des constats chaque jour plus catastrophiques. Est-ce que ça arrange quoi que ce soit? Le raisonnement vain est le fait de l'homme ordinaire. On t'a donné des réseaux sociaux essentiellement pour détruire ta volonté. Tu ne te concentres plus sur ta vie. Elle n'est qu'un accessoire de consommation. Il y a une chose qui ne fait aucun doute. Tu vas mourir si tu ne fais rien. À quoi te serviront tes doutes quand tu seras à terre gisant dans ton sang ou dans ton lit de mort? Les hospices sont pleins de raisonneurs qui ont eu raison tout seuls toute leur vie. Je te propose une image. Tu es dans une geôle. Demain, tu seras exécuté. Et voilà que le gardien entre dans ta cellule avec ton dernier repas. Il porte les clés. Que fais-tu? Perds-tu ton temps en cogitation vaine? Certes pas, tu l'assommes si tu es un homme. Plus encore si c'est un héros inconnu qui t'ouvre la porte et t'offre la fuite. Perds-tu ton temps à te demander qui il est? Te demandes-tu s'il est de ton pays ou de ton cousinage ou de droite ou de gauche? Non, tu t'échappes avec lui puisque ton sort est scellé. On verra bien où cela te conduit pourvu que tu échappes aujourd'hui à ton sort. Tu n'as pas le choix. Tu crains de te joindre à moi? Mais les braves qui se tiennent à mes côtés se plaignent-ils que je les ai trompés? Non. Au contraire, ils piaffent d'impatience et t'attendent en vérité. Ils me disent « Allons-y, allons-y ». Et je leur dis « Attendons encore un peu et spécialement que le peuple y vienne ». Ceux qui sont avec moi sont répartis en groupes d'action, voués à l'assaut, au matériel, à l'acheminement, à l'information, aux relations internationales, à la liaison entre commandos, avec les régiments, avec divers services afin de nous les rallier, au financement international et national, à la présence sur le terrain, etc.
chaque jour nous rend plus puissants. Vous croyez qu'il y a une autre solution? Il n'y en a pas. On ne m'a proposé aucune alternative sérieuse. Maintenant, avez-vous quelqu'un qui est autant avancé que moi? Non. Vous avez beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de choses dans divers domaines, mais ils ne peuvent prétendre réussir par leurs seuls moyens. Ou alors ils prétendent réussir là où ils ont déjà trop souvent échoué, par manque de méthode et de discernement. Gustave Thibon dit « Le vrai sage n'est ni l'optimiste, ni le pessimiste. C'est celui qui a payé son optimisme assez cher. » Moi aussi, j'ai subi le vol, le mensonge, l'injure, le procès, la trahison. Tous, nous avons été blessés. Et nous nous tendons des mains rougies par le sang. Mais la mienne est ferme et ne tremble pas. Viens si tu veux, ne viens pas si tu ne veux pas. On ne libère pas un peuple contre son gré. Si tu dois mourir, meurs. Au moins, les braves auront fait leur devoir. Dieu seul juge. Hommes de ce pays, combien de vos femmes tremblent sans personne pour les soutenir et les défendre? Vous croyez qu'elles ne sont pas assez angoissées? Il y a 3 jours, un groupe d'hommes qui se disaient volontaires revient vers moi et me dit renoncer à une opération. Ils disaient avoir peur de la prison. Je dis à d'autres, passez la frontière de nuit par les alpages. Ils me disent, mais le confinement va nous bloquer. Mais comment ils faisaient en 43 pour passer la ligne de démarcation? Ils demandaient la permission? Allons bon, 3 véhicules de gendarmerie vous barrent la route et vous voilà stoppés. Mais vous avez peur des courants d'air? Peur de la surveillance sur Internet, jolie bande! Quel héros que voilà! Vous avez peur du tribunal, il y a 70 ans, risquez de se faire fusiller. Où sont les hommes? La virilité, ce n'est pas dans la langue. Vous doutez de moi? Mais qui s'est battu, une fois dans sa vie, les armes à la main? Qui aujourd'hui risque le plus? Je ne suis pas là pour correspondre à vos canons de la morale politique. Le temps qui m'est donné est court. C'est une dernière lueur entre les nuages. Ce peu de vie qui reste encore sur Terre doit se réveiller. Il faut la sauver. C'est ta responsabilité. Toi, peuple de France, tu ne peux rester dans le refus de changer. Ces critiques dans lesquelles tu te complais, c'est un quart de confort intellectuel, un quart de paresse, un quart d'orgueil et un quart d'instinct grégaire. La moitié du monde pense que la France montrera la voie. La moitié du monde t'attend, toi. Tu avais un pays fabuleux. Tu avais des raisons d'être fier. L'une des histoires les plus riches et les plus agitées dont le cinéma ne dit pas un mot. Tu admires Hollywood. Tu admires Oxford, qui existait certes avant l'Empire Inca. Mais tu ignores que ton abbaye de Cluny est née 250 ans avant Oxford et 1000 ans avant Hollywood. La France a charrié plus de pierres en 300 ans que toute l'Égypte ancienne. Un Américain vient en France, il admire ce que tu ne regardes même plus, toutes sortes de choses qu'il ne trouve pas chez lui. Tu avais sur les autres préséance. On t'a caché tout cela. Tes trésors, on t'en a dépouillé. Vois ce que ta maudite télé déverse dans ton salon comme ordure et comme médiocrité. Tu avais une langue française prodigieuse de précision et d'intelligence. Tu as tous les paysages, tous les climats, tous les trésors architecturaux, des fleuves et des rivières, une terre qui était bonne, des monts et des plaines, des grèves et des baies, des savoir-faire sans équivalent, des métiers. Ton pays était un paradis. On te met tous à par terre et tu ne fais que maugréer. Tu mets plus d'énergie à critiquer ma proposition qu'à répondre aux policiers qui t'imposent une muselière. Tu avais de puissantes industries, tu étais protégé par des institutions, tu avais une liberté, une justice, je te l'ai dit. On a cassé tout ça et ma foi, tu t'en accommodes. Tu es épuisé, tu ne dors pas assez et mal. Tu te nourris mal. Tu ne fais pas assez de sport. Tu prêtes l'oreille aux niaiseries, tu es empoisonné. On te remettra sur pied. Tu vaux bien mieux que ce que tu penses. Tu dis souffrir? Souffrir ne suffit pas, ce n'est pas un titre de gloire. Tu veux t'échapper? Tu ne pourras t'échapper que par en haut. Tu me dis ce qu'il conviendrait de faire après la bataille, mais la bataille n'est même pas commencée et rien ne dit qu'elle sera gagnée. Cesse donc et travaille uniquement pour ce jour-là, qui sera une grande bataille de l'histoire, une bataille qui va renverser 5 siècles trompeurs, qui va restaurer des libertés éternelles et renverser des postulats faux. La victoire est proche. Il suffit presque de la vouloir. La bulle de terreur éclatera aussitôt que nous aurons vaincu. Vous voilà bientôt tous rassemblés. La bataille va avoir lieu. Montons-y en riant. Allons à la curée, taillons, renversons, assommons gaiement. Et libérons ce pays une bonne fois pour toutes. Jetons en prison, suspendons les faux rois, les ministres félons. S'ils viennent à 10, tu seras au milieu de 300. Ils tremblent déjà, crois-moi. Ils fortifient leur fortin, mais ils ne résisteront pas à l'assaut. Ils ne peuvent pas repousser 30 000 hommes. Français, arrête de parler. Tes mots ne te sauveront pas. Prépare-toi à l'antique guerre, celle que tes pères ont faite. Je n'aime pas la guerre, personne ne l'aime. Mais 1000 tués dans une guerre ne sont pas pires que 1000 suicidés. Cette guerre, l'ennemi te l'impose, tu n'as plus le choix. Viens à nous. Je marche à la libération. C'est inéluctable, c'est vaincre ou mourir, littéralement. Jamais depuis 20 siècles, nécessité n'a été plus grande. Les troupes d'occupation vont te vacciner de force. On t'a expliqué qu'il fallait réduire la population mondiale, tu n'as pas encore compris?
Quand tu te réveilleras dans un camp, tu regretteras de n'avoir fait que discuter. Enrôle-toi, on te donnera des outils, tu seras dans ta région avec tes frères, tu auras des camarades, on te formera. Délaisse les commentateurs et les bavards. Quand la dictature frappe à la porte, on ne se bat pas avec un clavier. Quant à vous, militaires, le peuple vous convoque, c'est son droit. Il y a avec moi assez de Français pour vous mobiliser de plein droit. Vous ne pouvez vous dérober. Et vous, anciens politiques, élus locaux, serviteurs de l'État qui vous désolez de la dictature, soutenez nos efforts. Chefs de mouvement, petits ou grands, la résistance individuelle ne marche pas. Formez-vous aussi vos bataillons et marchez à notre suite. Je ne cherche pas à vous récupérer ni vous éteindre. Je veux coordonner nos actions, que chacun fasse son travail à sa place désormais et jusqu'à la libération. Faites taire les dissensions fermement. Donnez une chance à la victoire en coordonnant vos actions avec nous. Chefs d'association, les gens qui nous gouvernent ne vous feront pas plus de cadeaux qu'à nous. Mettons-nous d'accord pour renverser ce pouvoir, c'est tout. Vous, policiers, gendarmes, CRS, gardes mobiles, militaires des forces armées qui seraient mobilisés ce jour-là, la majorité d'entre vous est d'accord avec moi. Le moment venu, restez neutre en gardant l'arme au pied. Personne ne vous jugera, vous avez votre libre arbitre. Mais si vous décidiez l'affrontement, vous risquez de provoquer un bain de sang contre le peuple, ce que personne ne vous pardonnera. De plus, vous aurez face à vous une armée de militaires aguerris et bien équipés. Ne venez pas au contact, c'est préférable pour vous, pour vos familles et pour le peuple. Dans la journée du coup d'État, vous aurez un nouveau chef des armées qui connaît mieux qu'un autre l'armée française. Tous les chefs non ralliés seront neutralisés et mis aux arrêts à disposition de la justice. Chaque ministère aura immédiatement un chef par intérim pour ne pas perturber le fonctionnement du pays. Défense, intérieur, justice, affaires étrangères. Tous les ministres seront remplacés sur le champ par de vrais professionnels et votre travail ne sera pas changé. Je finis en vous disant, Français, aimez-vous les uns les autres. Efforcez-vous-y. N'oubliez pas que César et bien d'autres après lui vous ont vaincu à cause de vos dissensions. Refaites une nation entre vous. Soyez doux avec vos proches et forts vis-à-vis de l'adversaire. Peuple de France, avec force et honneur, sors de ta tombe, lève-toi et marche.